Apôtre Paul, verset 7 et verset 8. Nous lisons. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Amen. Amen. Zacharie chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un remède. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que le Seigneur vous. Amen. Nous allons continuer avec ce que nous avons commencé. Apocalypse chapitre 1. Là, on avait vu que la Bible nous dit que voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Amen. Amen. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais ici, la Bible nous parle du retour du Seigneur Jésus-Christ quand il revient dans la nuée. On avait dit que la Bible nous dit qu'il vient, c'est-à-dire il, prénom personnel, il vient avec. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui vient avec. Et la Bible nous dit qu'il vient avec les nuées. Les nuées, c'est au pluriel. C'est Christ qui vient avec les nuées. Et dans cette venue-là, la Bible dit que tout œil les verra. L'air qui, même ceux qui l'ont percé. Amen. Alors, nous voyons déjà que les Juifs aussi les verront dans la venue de cette nuée. Or, parmi ceux, quel est-il? Le frère Branham nous avait énuméré le mystère. Entre autres, c'est trop petit, vous pouvez me voir. Il nous avait énuméré le mystère. Entre autres, il y a le mystère de la translation qui était le troisième mystère. Il dit le deuxième mystère, le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge, Romains 11, 25, avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Ça, on en avait déjà parlé. Et le quatrième mystère, c'était le mystère de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des Gentils. C'était ça notre titre. Et il continuait jusqu'en bas, le septième mystère, il nous a parlé de celui, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Amen. Amen. Parce qu'ici, le plan de la rédemption, c'était la restauration de la divinité en l'homme. Parce que Dieu, il était toujours divin. Mais il s'agissait de l'homme qui devait recevoir la restauration de ce qu'il avait perdu. Et il continue. Si vous voyez bien, tout ça, tous ces mystères-là, ne parlent que d'une même chose. Il dit le neuvième mystère. Il a sauté le huitième mystère, je ne sais pas pourquoi. Il dit le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens, etc.
Le mystère de l'iniquité, c'est lorsque l'Antichrist devait être couronné. Amen. Amen. Et nous avons vu que le pape avait reçu la couronne, la triple couronne, qui lui donnait autorité sur l'enfer, le purgatoire et le ciel. Amen. Amen. Et le frère Branham nous a montré le triple couronne, la triple couronne du pape. On appelle ça le tiers. Il continue, il dit, le dixième mystère, c'est celui des sept étoiles d'Apocalypse 1, chapitre 20. Nous en avons déjà traité. Lui-même, il dit qu'il a déjà parlé de ça. C'était les sept messagers. Et le onzième mystère, c'est le mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17. C'est toujours l'Église catholique. Il dit, ce sont ces mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect, sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. La semence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années. Même la semence du serpent, qui a été prêchée, je crois, en 1958, doit être révélée à la descente de la pierre de fête. Et c'est là où le frère Balaam nous a dit que le serpent était un homme. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas croisé avec le sang des hommes. Amen. Amen. Le serpent était un homme avant de devenir un reptile. Il continue, la grâce redressée. Non pas la disgrâce, mais la réelle et la véritable grâce. Amen. Amen. Il n'existe, déjà c'est quand même dit, il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé, tous ces mystères. Il y a aussi le mystère de l'enfer, il n'y a pas question de brûler en enfer éternellement. La Bible dit que les gens vont brûler éternellement l'enfer. Frère Branham dit que pour être brûlé éternellement l'enfer, vous devez avoir la vie éternelle. Amen. Il dit, celui qui a la vie éternelle ne peut pas brûler en enfer. Il dit, les gens brûleront l'enfer pendant des millions d'années, mais il arrivera un moment où l'enfer sera supprimé. Et ces gens-là seront anéantis. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Amen. Parce que dans Malachie 4, nous a dit, on ne laissera ni racine, ni rameau. Amen. Ça dit, oh, les pécheurs doivent subir la deuxième mort. Ils vont mourir dans la chair et ils vont mourir dans l'âme. Oh, ok. Okay. Amen. Il continue. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans cessation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. 261, le mystère du baptême d'eau que le Trinitaire extrême a changé à le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissa dans le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de la Révélation. Que l'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains mystères. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Même le retour de la colonne de feu, c'est un mystère. Parce que la colonne de feu, au temps de Paul, a rencontré Paul sur son chemin de Damas. Après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, la colonne de feu a rencontré Paul sur son chemin de Damas. Et depuis ce temps-là, la colonne de feu était dans les âges d'église. Mais nous voyons à la fin, lorsque le prophète est né, la colonne de feu maintenant est retournée à Kentucky. Pourquoi? C'était dans un but, c'était que la colonne de feu avait commencé. Et les âges de l'église, la colonne de feu doit aussi conclure les âges de l'église. Amen. Amen. Ça, c'est un mystère que nous allons développer une autre fois. Mais aujourd'hui, nous parlons simplement du quatrième mystère. Amen. Et je vais répondre quelque chose que j'avais parlé ici. C'était quoi que lorsque la nuée descend, dans Apocalypse chapitre 1, la Bible nous dit que tout est le verra, même les yeux de ceux à qui l'ont percé. C'est-à-dire que les Juifs. Et le frère Branham a expliqué tout ça à la page 35 du livre des exposés des sept âges de l'Église. Il a parlé du Dieu qui vient. Mais avant d'arriver là, je vais encore répondre à cette citation du frère Branham. Je vais directement sauter. La Christ est révélé dans sa propre parole. Là, le frère Balaam nous parle. Maintenant, ici. Non, je vais seulement prendre
Le premier. Il dit la Bible entière. La Bible entière est l'entière révélation de Jésus-Christ, se faisant connaître à chaque âge. Il se fait connaître du temps de Luther, en tant que fondement l'Église, les pieds, les jambes, comme il a fait pour le roi Nabucodonosor. Vous vous souvenez quand celui-ci avait eu des songes, ces songes, et cela partait de la tête en descendant. Vous voyez, à présent, il part des pieds en montant. Voyez-vous, dans les royaumes babyloniens, il a montré tout ce qui avait trait à l'Ancien Testament. Il est parti de la tête en descendant, jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même. Thanks, Corey. Juste à ce qu'il arrive à Dieu lui-même, fait chair au pied de l'échelle. Maintenant, ici dans le Nouveau Testament, il se ramène jusqu'en haut, à la tête de nouveau, la tête d'or qui doit être couronnée. Voyez-vous, les saisissez-vous bien, vous voyez, Dieu était au commencement et il est descendu continuellement à travers les prophètes, jusqu'en bas. Lorsque Dieu lui-même est devenu humain, comme nous, tout au bas de l'échelle. Un bébé né dans une crèche. Jusqu'au bas de l'échelle, un bébé né dans une crèche. C'est-à-dire que la dispensation juive, venait de haut, n'est-ce pas? Ça descendait jusqu'en bas, jusqu'à leur pierre de fête, qui était Jésus. Ok? Un bébé né dans une crèche, détesté, rejeté, méprisé, avec un mauvais nom. Et tout ce qu'il était, ensuite, il s'est mis à grandir, voyez-vous? Et à partir des pieds, il a commencé à bâtir l'Église est l'épouse. Ok? Revenant constamment jusqu'à former la pierre fêtière. À partir de là, il a commencé à bâtir l'Église. Ça a monté jusque là pour former la pierre de fête. Amen. Amen. Et tout cela se joint et constitue les grands corps transfiguré de Jésus. Amen. Amen. Quand toutes les deux dispensations se réunissent comme ça, s'unissent, ça forme hein, les grands corps glorifiés de Jésus. C'est ce que le frère Bernard dit, non? Non, pardon, le grand corps transfiguré de Jésus. Or, nous connaissons comment est-ce que Jésus était transfiguré. C'était sous la montagne, dans Matthieu 17. La montagne de transfiguration. Là, il y avait qui? Il y avait Moïse, il y avait Élie, et il y avait les trois disciples, qui étaient Jacques, Jean, et puis Pierre. Frère Madame dit que tous les trois disciples représentaient les 144 000. Amen. Or, quand le corps transfiguré de Jésus est représenté là, c'est la dispensation des gentils qui montait, et la dispensation des juifs qui descendaient. Et le tout nous donne l'étoile de David. Enfin, madame dit que lorsque Israël était devenu une nation, amen, en ce moment-là, l'ange l'avait visité à 12 000. Et en ce moment-là, le drapeau d'Israël flottait déjà. Quand le drapeau montrait, cela voulait montrer que nous étions déjà à la fin de la dispensation des gentils. Enfin, madame dit que la dispensation des gentils a pris fin au parler en langue, comme au temps de Nabucodonosor. Amen. Amen. Je prends exposé page 35. Apocalypse 1, 7. Le frère Branham dit ceci. Ça, c'est dans le livre des exposés. Voici, il vient avec les nuées. Et tout est le verra. Et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Les prophètes viennent, les sacrificateurs
et le roi vient, le tout en tout vient. Oui, Seigneur, Jésus vient bientôt. Amen. Apocalypse 1, le frère Branham nous dit que Jésus vient, Dieu vient, les prophètes viennent. Vous saisissez? Ce qui vient, Dieu, Jésus et les prophètes. Amen. Amen. Quand vous voyez la présence du prophète sur la terre, c'est la visitation de Dieu lui-même. Amen. Nous, les gentils, ne connaissons rien de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons un prophète, nous attendons encore Jésus qui devait venir. Amen. Parce que, comment on l'appelle, Lewis Petrus avait dit que, frère Branham, si tu vas en Israël, ils vont croire en toi. Parce que les Israélites savent que la descente du prophète, l'arrivée du prophète sur la terre, c'est la présence de Dieu. Un prophète majeur, au temps de Samuel, c'est lui, Dieu, et c'est Dieu lui-même qui était le roi d'Israël. Dieu contrôlait Israël à partir de Samuel. Amen. Et il savait que Samuel était la présence de Dieu. Et les jours qu'ils ont rejeté Samuel, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais ils m'ont rejeté moi. Amen. Amen. Oh, le prophète sur la terre, c'est Dieu lui-même. Le corps du prophète n'est pas Dieu, mais les dons est Dieu. Amen. Amen. On n'adore pas le corps. Moïse n'était pas un Dieu adoré. Amen. Le corps de Moïse n'était pas adoré. Mais le Dieu vivant, le grand Jéhovah, habitait en Moïse. Voilà pourquoi le frère Branham dit que Jésus vient, Dieu vient, les prophètes viennent, les sacrificateurs et les rois viennent. Amen. C'est la même personne. On avait dit que quand il vient, il est le roi. Parce qu'il était sacrificateur dans les âges de l'Église. Le chemin de Daniel, toujours. Ok? Ici, le Messie retranché, les âges de l'Église. Nous voyons qu'ici, il était sacrificateur. Ok? Ici, là, il était le fils de l'homme. Et ici, il était aussi le fils de l'homme, parce qu'il devait continuer le travail. Or, quand il revient, dans Apocalypse chapitre 1, yes, sir. Il n'est plus le sacrificateur. C'est dans les anges de Christ qu'il était sacrificateur parce que c'est là où il faisait les rachats. Et quand il descend dans la pierre de fête, le frère Madame nous a dit que c'est le juge suprême. Parce que quand il vient, il descend avec une perruque sur sa tête, une perruque blanche. Et cette perruque-là représentait le jugement. Amen. Donc celui qui vient, ce n'est pas un sacrificateur. Mais c'est le juge lui-même. Mais il dit que le sacrificateur vient parce que le même sacrificateur est changé en roi, en juge. Amen. Amen. C'est le Dieu est mort qui change de forme. Mm. Le frère Branham dit dans le livre des Hébreux que Dieu n'a jamais quitté la terre. En principe, quand on parle de la venue du Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui était parti. Il est pour lui rester là-bas pendant 2000 ans. Yes, sir. Après 2000 ans, il revient maintenant. Yes, sir. Non, ça serait irresponsable de sa part. Mm-hmm. Frère Madame dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. En Israël, là-bas, lorsqu'il est parti, lorsque les disciples l'ont vu monter, le frère Madame dit qu'après 10 jours, il est retourné comme la colonne de feu. Il s'est divisé en langue de feu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Depuis ce temps-là, Dieu n'a jamais quitté la terre. Yes, sir. Amen. Amen. Si vous parlez d'un Dieu qui avait quitté la terre, il avait quitté la terre peut-être pour 10 jours. Mais depuis qu'il est retourné dans la chambre haute, après quelques temps, Paul va le voir sur son chemin de Damas. La même colonne de feu a parlé à Paul et la même colonne de feu a conduit Paul dans les âges de l'Église. Amen. Voilà pourquoi quand Jean voit dans les âges de l'Église, il parle de cet esprit de Dieu. Enfin, madame dit que Dieu n'a pas cet esprit. Mais c'est le même esprit de Dieu qui s'est divisé en sept âges de l'Église.
Amen. Amen. C'était la même colonne de feu en cet âge de l'église. Et c'est là où il était sacrificateur. Parce que là-bas, il était le fils de Dieu, n'est-ce pas? Fils de Dieu. Ici, il était le fils de l'homme. Ici, il était le fils de l'homme. Amen. Et vous allez remarquer que le fils de l'homme revient deux fois. Pourquoi? Parce qu'ici, c'était les 3 ans et demi. Et ici, c'était les 3 ans et demi. Amen. Et 3 plus 3, ça nous fait 7. C'était la 7e semaine. Après la 7e semaine, il devait maintenant retourner. Amen. Comme étant le juge. Vous comprenez? Or, quand il revient maintenant là pour, dans la nuée, il n'est plus le fils de Dieu. Il n'est non plus le fils de l'homme. Parce que le fils de l'homme, c'était pour clôturer la 70e semaine. Et quand il revient, il est le roi. Quand il est le roi de qui? Il est le fils de David. Amen. 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 Il est le fils de David. Oh, il n'est pas le fils de David dans les anges de l'église. Non, pas le fils de l'homme dans les anges de l'église. Beaucoup de gens ont manqué le ministère du fils de l'homme. Quand le ministère, quand Abraham a rencontré Elohim, ce n'était pas Sodome. C'était hors de Sodome. Amen. Et il a regardé là-bas, il voulait détruire. Abraham commençait à intercéder pour Lot et son neveu, qui était à Sodome. Amen. C'était en dehors de Sodome. Et remarquez maintenant que quand Jésus se révèle aux Juifs, l'épouse doit être écartée du chemin. Yes, sir. Ok. Dans le troisième demi. Dans le troisième demi, on voit Elohim, Dieu de la chair humaine, qui tourne le dos, qui parle à la race d'Abraham, que nous sommes. Mais en même temps, Elohim aussi là-bas, il parle aussi aux Juifs. Il se révèle aux Juifs, toujours dans les 3 ans et demi. C'est ça, non? Parce que dans les 3 ans et demi, il y a la tribulation. Dans les 3 ans et demi, il y a l'enlèvement. Dans les 3 ans et demi, il y a... dans les 3 ans et demi, il y a les 2 témoins. Tout se passe dans les 3 ans et demi. Amen. Et lorsque Elohim parlait à la race d'Abraham, c'était en dehors. Mais là-bas à Sodome, il y avait Billy Graham et Oral Robert pour frapper d'aveuglement. Vous comprenez? Okay. Et maintenant, quand Joseph s'est révélé maintenant à ses frères, la Bible dit dans Genèse 45 que son épouse il n'était pas là. Mais lorsque Joseph cria, on dit que les Égyptiens l'ont écouté. Amen. Le type ne trompe jamais. Lorsqu'il s'est révélé aux Juifs, malgré que Asnat, amen, et les enfants n'étaient pas là, mais ils écoutaient quand Joseph pleurait. Parce que la famille n'était pas loin. Amen. Quand on parle de l'enlèvement, les gens pensent que nous allons loin là-bas. Parce que si vous allez loin, vous n'allez pas écouter quand Joseph va pleurer. Le grand problème, c'est que quand Joseph se révélait à ses frères, quand il pleurait, nous l'avons aussi écouté. Amen. Amen. Parce qu'il l'a fait dans les ministères du Fils de l'Homme. Pourquoi? Il devait le faire en Égypte. Amen. Lorsque Joseph était en Égypte, il est devenu prince en Égypte. Il a pris une femme égyptienne, Asnat. Amen. Et Joseph lui-même est devenu prince de l'Égypte. Il s'habillait comme un Égyptien. Jusqu'à ce que ses frères sont venus devant lui, mais il ne pouvait pas les reconnaître. Et Joseph leur parlait par un interprète. Joseph lui parlait en anglais et eux, on les interprétait en hébreu. Amen. Amen. C'était où? En Égypte. Et après son mariage, Joseph n'a pas pris Asnat pour aller vivre en Israël. Non. Joseph a dit, allez-y chercher mon père. Ils sont partis prendre Israël, Joseph et Jacob. Il est venu vivre chez les gentils. C'est ça. Amen. Amen. C'était comme ça. C'était ça le type de Joseph. Et lorsqu'ils viennent comme ça, Frère Branham dit, c'est là où ils verront les cicatrices dans ses mains. C'était où? En Égypte.
Ce n'est pas là-bas qu'ils le verront en Égypte. Voilà pourquoi le frère Branham prend Apocalypse 1. Il fait une liaison avec Zacharie, chapitre 12. Où il y aura les deux dans les maisons d'Israël. Rachel pleura ses enfants. Amen. Je continue la lecture. Il dit, il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand il le vit sur la montagne de la transfiguration. La montagne de transfiguration, c'était quoi? C'était Jésus avec la nuée. Il a été enveloppé par une nuée et la voix avait parlé. C'était l'adoption de Jésus. Et ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Amen. 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 Quand il vient prendre sa place légitime du gouverneur du monde, oh, quand il vient comme étant gouverneur du monde, il doit avoir de l'autorité. Ouais. Amen. Amen. Et la seule façon pour Dieu de donner l'autorité à, son, à l'homme, c'est de lui donner quoi? Son épée. Ouais. Amen. Et lorsqu'il est parti à Savignon Canyon pour prier, il a pris l'épée du roi. Amen. Il dit ce n'était pas l'épée des rois, mais c'était l'épée du roi qui lui avait donné autorité. Toutes ces choses-là ont une signification. Amen. C'est comme Esther. comment on l'appelle? Mardoché, qui était persécuté par Aman. Lorsque Esther est devenue l'épouse du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Esther est partie devant le roi Assyrus pour lui dire que j'ai une requête. Le roi lui dit, quelle est ta requête? Pose-moi ta requête, je vais te répondre. Quand elle posa sa requête, le roi lui posa le sceptre royal. Quand Esther a pris le sceptre royal, elle a eu l'autorité du roi. La reine Esther devait prononcer la parole et cela devait s'accomplir. Et Aman, qui avait le projet de détruire Mardoché, il a été détruit lui-même. Pourquoi? Parce qu'elle avait touché le sceptre royal. Et le sceptre royal de Dieu, c'est l'épée. Et l'épée, c'est la parole. Et lorsqu'on a donné l'épée au frère Branham, il a reçu l'autorité. C'est pourquoi vous allez voir comment c'est le frère Branham est en train d'unir ça avec Esaïe 9. Dieu s'est mané. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. Parce que le retour de la Niwe, ce n'est pas l'enlèvement, frère. Parce que la Niwe a été photographiée. Le retour de l'enlèvement, c'est une venue secrète. Pas de photo. Lorsqu'il vient comme un voleur dans la nuit pour voler. Yes, mais lorsqu'il vient dans la nuée, on dit que tout œil le verra. Voilà pourquoi c'était là. Les magazines Look, Time et Life ont pris la photo. Amen. Amen. Look, Time, Life. Regardez l'état de la vie. My, my. Amen. Dieu est parfait. Amen. Ces trois magazines-là ont pris la photo. Il dit, c'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est qui? Devant celui qui est la parole. C'est ce qu'il est. Il dit, voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12. 9 à 14, Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver, écoutez. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la nation, sur la maison pardon, de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous voyez? Ils tourneront les regards vers Dieu, vers Jésus, celui qu'ils avaient percé. Oh, Zacharie chapitre 12 égale Apocalypse chapitre 1. Et le frère Branham nous dit qu'Apocalypse chapitre 1 égale Apocalypse chapitre 10. C'est la même chose. Et Apocalypse chapitre 19, c'est la même chose.
Et quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs une fois que, une fois l'époque des nations terminée? L'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations les ramèneront tout droit aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. Et quand il dit, oh, rappelez-vous, ce que nous avons lu dans Apocalypse et dans Zacharie, ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. Amen. Il dit, rappelez-vous ce que nous avons lu dans Apocalypse, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1. Et dans Zacharie 12, il dit, ces choses-là arriveront après la tribulation. Parce que dans Daniel 12, on a dit, après un temps, des temps et la moitié des temps. Amen. C'est après les 3 ans et demi que cette chose arrivera. C'est là où les Juifs le verront, qui verront ses cicatrices. L'Église de première ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela. La Bible l'enseigne. Il est dit qu'à ce moment-là, Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. C'est le même esprit qui a été répandu sur les gens des nations à leur époque. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, à chacune des maisons à part. Quand il viendra, quand dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Or, nous parlons de la nuée comme étant la seconde venue. Au moins que vous refusez que la nuée, ce n'est pas la seconde venue. Mais si vous refusez la nuée en tant que seconde venue, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la seconde venue. Amen. Or, il y a des églises qui enseignent que la nuée est la seconde venue. C'est là où le frère Bonhomme dit que, il dit que c'est là où les Juifs le verront. Il dit, ces Juifs qui l'ont percé le verront. Où? Dans la nuée. Comme il est dit dans un autre passage de l'Écriture, d'où te viennent ces blessures? Et il répondait de la maison de mes amis. Non seulement ce sera un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté comme Messie, mais ce sera un temps de deuil pour ceux des gens des nations qui resteront, ceux qui l'auront rejeté en tant que sauveur de notre époque. Amen. Amen. Frère Bernard dit, tenez, il continue. Tenez, je vais vous en donner encore un autre. Genèse 45, si vous voulez le noter. Prenons cela un instant et lisons cela aussi dans Genèse 45. Je crois que c'est au chapitre 45 de Genèse. Le frère Branham fait suite d'Apocalypse chapitre 1. Amen. Il prend Zacharie 12, il prend Genèse 45. Au Genèse 45, c'est ça que je dis ici, c'est Joseph qui s'est révélé à ses frères. Amen. Amen. C'est lui-même qui les relit. Joseph qui se révèle à ses frères. J'ai déjà lu ça, j'ai pu relire ça. Quand il s'est révélé à ses frères, comme je l'ai dit, que la maison de l'Égypte l'avait entendu. En ce moment-là, toute la famille des Juifs était venue ici, vers les gentils. Je vais seulement sur deux. L'histoire de Joseph, je pense que vous connaissez.
Maintenant, il dit que là-bas, le frère Benoît avait dit que quand il reviendra dans la nuée, ce n'est pas quand il viendra pour l'enlèvement. C'est lorsqu'il reviendra pour prendre sa place du gouverneur du monde. Amen. Amen. Or ici, dans le livre des exposés, le frère Benoît continue. Le frère Benoît parle ici dans le livre de ses exposés, c'est-à-dire, il dit, c'est lui qui a la clé de David. Il dit, cette belle proposition suit et provient de la précédente, le véritable. Christ, la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. C'est ça que j'avais dit dans du partiel au parfait. Le partiel, c'était le type. Le parfait, c'était l'accomplissement, c'était l'antitype. Il dit, c'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu, mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu, était roi d'Israël. Mais Jésus est le grand David, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu lui-même. Or, David était de la tribu de Juda, tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs, et pourtant il mangea des pains de proposition réservées aux sacrificateurs. Il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et affermissant son peuple. Il était roi. Et à ce titre, il s'assit sur le trône. Il était prophète, il était un type merveilleux de Christ. Or, il est dit dans Ésaïe 22:22. Je ne veux pas Ésaïe 22:22. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Or, Ésaïe 22:22 nous parle de la clé de la maison de David qui est sur l'épaule de Jésus. Le frère Balaam explique ici, il dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, voici la réponse. L'expression, le gouvernement sur son épaule. Parce que quand il revient dans la nuée, c'est pour prendre sa place du gouverneur mondial. Yes. Le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage. Ici, nous parlons après le mariage. Parce que les gens se disent épouse, ne sachant pas qu'il faut, avant d'être épouse, tu dois d'abord te marier. Yes. Amen. Yes. Or, l'Église était fiancée, comme Paul l'avait dit. Durant les âges d'église, l'Église était fiancée. Voilà. Mais après les âges d'église, après le mariage de l'agneau, l'Église devient une épouse. Voilà. Et l'Église prend l'identité du mari. Amen. Si le mari s'appelle Jésus, l'Église aussi s'appelle Jésus. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham nous a dit que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent Jésus. Voilà. Même Ève s'appelait Adam. Voilà pourquoi quand ils sont tombés, Dieu est venu pour dire, Adam, Adam, où es-tu? Amen. Amen. Le frère Benoît dit ceci. L'expression du gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage, telle qu'elle est pratiquée en Orient au moment où la mariée est confiée au mari. Elle enlève son voile et la place sur les épaules du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle se tourne vers lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propos, ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte sa responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui est lui seul. Personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Et la clé de David, bien-aimé, c'est cela, comme il est souverain. Donc l'épouse prend l'autorité, l'épouse prend l'identité du mari. Amen. Amen. Tout ce qui était le mari, l'épouse prend ça. Et au temps de l'affaire, l'autorité est sur l'épaule. Or l'épaule, c'est la partie du corps. Parce que Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église est son corps. Or, quand vous voyez l'autorité sur l'épaule, ça dit que l'autorité était sur l'Église. Or, l'Église, ce sont les sept âges de l'Église. Mais à la fin, toute l'Église a été représentée par un prophète. Amen. Mais il faut qu'on dise ceci.
Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il dit, quand il ouvrira, ni le fermera, quand il fermera, ni l'ouvrira. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère où? Dans l'Église. Or, dans l'Église, c'est l'épouse. Mais sur son épaule, on met quoi? La clé de la maison de David. Amen. Or, la maison de David, ce n'est pas les gentils. La maison de David, c'est les juifs. Mais on prend la clé de la maison de David, on met sur l'épaule de l'Église. Amen. Voilà pourquoi il a dit qu'il y a quelque chose qui me convainc que j'appellerai Israël au Seigneur. Pourquoi? À cause de Malachie chapitre 4. Amen. Amen. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu du chandelier. Or, le chandelier, c'est l'Église. Or, Esaïe 22-22, c'était un type. Mais l'antitype, c'est-à-dire que là-bas, c'était des partiels. Mais le parfait, c'est-à-dire le véritable, c'est au temps de la fin. Lorsque Jésus se retrouve dans son Église, lorsqu'il est dans le chandelier. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Cela ne concerne pas Jésus de Galilée. Amen. Amen. Ça ne concerne pas Jésus de Galilée, mais ceci concerne l'épouse quand il revient dans sa seconde venue après sa résurrection. Amen. Il continue, mais que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main, elle n'est pas suspendue à son cou, elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes, sinon le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme, et personne n'a ses droits, à part Jésus lui-même. Pas vrai, mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Esaïe 9, 6. Et le gouvernement sera sur son épaule. Esaïe 9, 6 vous dit quoi? Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ici, ce passage, c'est comme Esaïe 61. Ce passage se divise en deux. Une partie s'accomplit quand le fils était né à Bethléem. Amen. Et l'autre morceau s'accomplit quand il revient dans sa seconde venue. C'est ça que le frère Branham nous dit. Il dit, si vous voulez comprendre ça, il dit, prenez Esaïe 9. Il dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Verset 7. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Or, quand Jésus était venu, Frère Branham dit que Bartimée l'avait appelé fils de David. Frère Branham dit qu'en ce moment-là, il n'était pas le fils de David. Il est le fils de David quand il revient dans sa seconde venue. Lorsqu'il vient, il descend dans la nuée. C'est là où il est le fils de David. Et quand il revient comme ça, c'est là où la domination reposera sur son épaule. Parce que lui, il est la tête. En tant que tête, il ne pouvait même la vie, il ne pouvait pas donner la vie avec sa tête. Même dans le naturel, on ne donne pas la vie avec la tête, on donne la vie avec le corps. Amen. Amen. Et Christ était à la tête de l'Église. Lui, il n'avait pas l'autorité. Quand il est venu là, il était comme étant un agneau. On a traché sur lui, on l'a tapé, on a fait de lui tout ce qu'ils ont voulu, parce qu'il devait être crucifié. Mais quand il revient après, il reprend l'autorité, parce que quand il revient comme étant un lion. Il rugit pour réclamer ses ennemis. Amen. Amen. Et en ce moment-là, l'autorité était sur son épaule. Et vous allez remarquer, quand on intronise un roi, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'épée, on met sur l'épaule.
Même les militaires, dans les naturels. Où est-ce qu'on met les grades? C'est là. Si on veut dégrader un militaire, on enlève seulement les grades de ses épaules, c'est fini. Parce que les épaules montrent l'autorité. Et ici, nous avons une photo. Ce monsieur a été photographié avec la nuée sur son épaule. Et nous connaissons la nuée, c'est quoi? Sur la montagne de Transfiguration, c'était une nuée. Et la nuée sur son épaule, c'est Dieu lui-même qui vient se reposer sur son épaule. Pourquoi? Il lui donne l'autorité. Amen. Et cela accomplit Ésaïe 9, la deuxième partie. Amen. Et c'est là qu'il vient, il prend la place du gouverneur du monde. Amen. Parce que la place du gouverneur du monde, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus de Galilée. C'est Jésus l'épouse. C'est pourquoi on vous dit qu'aujourd'hui, l'épouse a beaucoup d'autorité. Le frère Madame nous a dit que les choses qu'il a fait dans mon ministère sont plus nombreuses que ce qu'il a fait dans son propre ministère. Donc il a eu plus de succès dans le ministère du frère Branham que dans son propre ministère à Galilée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire du second temple était plus grande que celui du premier. Et quand il revient comme ça, même système, il vous est avantagé que je m'en aille. Amen. Et lui, quand il avait reçu la chose, il nous a dit qu'il était avantagé qu'il s'en aille. Et quand il s'en va, où est l'autorité? Yes. Ça descend sur lui. Amen. Amen. Parce que le frère Madame n'a rien amené. Même le frère Madame n'est parti nulle part. Il est là. Amen. Amen. Et cette autorité-là, c'était la parole. Et cette parole-là est revenue. Il s'agit simplement de reconnaître la position. Et puis tu as cette autorité-là. Yes. Amen. Amen. Ephésiens 1. La Bible dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Ici, on parle de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas lors de son pèlerinage terrestre. De son pèlerinage terrestre, pardon. C'est lors de sa résurrection. En le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes, dans les lieux célestes, et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Amen. Non seulement, pardon, dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est-à-dire, Christ, on l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Quoi? Qui est son corps? Donc, le corps, l'Église est le corps de Christ. La Bible dit, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Amen. C'est-à-dire, la plénitude de celui, donc Dieu, qui remplit tout à tous. Vous comprenez? Amen. C'est le mot, frère. Le Dieu qui change de forme. Parce qu'à ce jour-là, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation. C'est le même Dieu qui était dans le frère Branham, le même Dieu qui était dans Moïse, le même Dieu qui était dans Jésus, c'est le même Dieu aujourd'hui qui est dans l'épouse. Amen. Il s'incarne toujours dans le système et mort, frère. Yes. Quand Dieu c'est mort, c'est toujours dans le kénos. Oh, ce qu'elle ne sait, c'est de verser. Tout Dieu entre là. Et quand il se kénos, il change de forme. Voilà pourquoi Moïse l'a vu dans le buisson ardent. Le frère Branham l'a vu sur l'arbre. Une autre personne, Paul l'a vu sur son chemin de Damas. Mais c'est le même Dieu. Il ne change que de forme. Et aujourd'hui, le même Dieu a changé de forme et il est devenu l'épouse. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Et le problème, c'est que nous, les gentils, on n'attendait pas le Messie. Voilà pourquoi, quand il vient, il fait des œuvres, nous ne comprenons absolument rien. Parce que d'abord, les gentils ont un problème. Un, ils ne savent même pas les promesses qui parlent du Messie. Il faut d'abord commencer par leur montrer les promesses.
Nous étions tous comme ça. Mais les Juifs savent. Parce que la femme au puits, qui était une Samaritaine, avait reconnu le Messie lorsque le Messie avait discerné sa pensée. Lorsque le Messie a dit seulement, va chercher ton mari. Je n'ai point de mari. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Parce qu'on nous a dit que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. La femme l'avait reconnu. Personne ne lui avait dit. Mais aujourd'hui, nous voyons les gentils. Un monsieur devant vous qui vous discerne les pensées, mais vous ne les comprenez toujours pas. Télépathie. On appelle ça télépathie mentale. Amen. Mais une prostituée avait compris. Les femmes ont dit que la prostituée avait plus de sens que le prédicateur. Ah oui. Et aujourd'hui, la même chose se répète. Quand quelqu'un vous discerne les pensées, mais cela veut dire que c'est le Messie qui est sur la terre. Lors de sa naissance, il y a eu l'alignement des trois étoiles. Mais c'est le Messie sur la terre. Qu'est-ce que vous attendez encore? Une fois, madame dit ceci, n'ayez pas peur. Il dit, bon, souvenez-vous, toutes les fois que Dieu est appelé à agir sur la scène, la façon dont il a agi la première fois, il doit toujours agir de la même manière. C'est ça. Les fois suivantes, il dit, sinon il a mal agi lorsqu'il a agi la première fois. Frère, comment est-ce qu'il s'est révélé là-bas? C'est ça. Quand il a appelé Nathanaël, Nathanaël est venu. Il dit, voici un Israël à qui il n'y a pas de fraude. Il dit, sœur, je vois que tu es prophète. Automatiquement, il a reconnu. Frère, s'il s'est révélé de cette manière-là, aujourd'hui, il va se révéler comment? C'est de la même manière. C'est absurde, vous voyez que les gens qui sont dans les messages, ils cherchent un Jésus avec des robes. Qui va s'éteindre dans les airs, je ne sais pas quels airs. Amen. Il faut même dire, il dit, il doit toujours agir de la même manière, de la même manière les fois suivantes. Sinon, il a mal agi lorsqu'il a agi la première fois. Alors si, en ce jour-là, c'était sa façon de se faire connaître aux Juifs et aux Samaritains qui attendaient le Messie. Aucune personne des nations n'attendait le Messie. Nous étions des Romains, des Grecs, et nous adorions des dieux faits de fer, d'acier, de marbre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le message en adorant toujours les dieux d'acier et de marbre. Amen. Amen. C'est ça que j'ai dit. Quand les gens étaient dans les Nzambalab, amen. Quand ils étaient dans les Nzambalab, ils attendaient l'enlèvement, ils attendaient la tribulation, ils attendaient tout. Maintenant, quand le message a été prêché aux États-Unis, c'était que le frère Branham avait déjà fini le saut. Jusqu'à ce que même le frère Branham a quitté la scène. Et après, le message est venu au Congo. Le message est venu les trouver avec toutes les promesses qu'ils attendaient. Ils ont simplement continué à attendre ces promesses-là, mais dans le message. My. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans le message, il n'y a rien qui arrivera. On n'ajoutera plus rien. Tout ce qu'on fera dans le message, c'est de découvrir. Tout ce que nous découvrons dans le message a déjà été. C'est ça le problème. Oui. Oh, quand le message est arrivé, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Mais là, comme eux, ils étaient venus des examens, là, ils attendaient l'enlèvement, ils ont continué à attendre l'enlèvement juste dans le message. Et là, ils ont dit que, frère, l'enlèvement a déjà eu lieu. Fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est les examens, pas selon le message. Amen. 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 Pas selon le message. Parce que le message est arrivé là-bas, le frère Bama avait déjà quitté la scène. Oui. Il dit, mais à présent, après 2000 ans de théologie et d'enseignement, voilà le problème. 2000 ans de théologie et d'enseignement, cela a embrouillé le peuple. C'est pourquoi vous voyez ces choses, quand quelqu'un vient du monde, sans passer par l'église là, frère, si vous le prenez, vous le montrez ces choses, il croit facilement. Vous allez voir que même ceux que nous prêchons le royaume ici, les gens qui croient à ça, ce sont les gens. Les gens qui sont sortis déjà des églises. Ou bien, c'est plus les gens qui n'ont pas fait longtemps dans les églises, soit déjà du message. Quand vous prenez quelqu'un qui était mal ancré dans les églises, là, vous lui donnez ceci. Ah, il dit, mon pasteur n'a pas encore dit ça. Parce que le pasteur dans les messages ont enseigné d'une année malade, au lieu d'enseigner le message. Un précurseur qui était censé vous présenter le Messie. Sur la rivière de Wayou, la voix avait parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour être le précurseur de ma seconde venue. Frère, il est pour lui parti, Jésus n'est pas venu. Si c'est le cas,
laisse le message voir. Donc, c'est que c'est faux. Laisse le message. Parce qu'il ne peut pas quitter la scène sans nous présenter le Messie. Or, nous sommes arrivés dans le message. Le frère Barnum avait déjà quitté la scène. Cela veut dire qu'il nous a déjà présenté. C'est tout. À présent, l'Église des Nations, l'Église élite, attend le Messie. Or, quand il viendra, il devra agir de la même façon qu'il devait faire en ce qu'il avait fait en ce temps-là. Il devra faire les mêmes choses parce que la parole a dit qu'il les ferait. C'est simple que ça. Oh, il a fait tout ce qu'il devait faire. Enfin, jusqu'à ce que FBI avait pris la photo. FBI, frère, la science a témoigné que c'était la présence d'un être surnaturel. Il dit, frère Barnum, la photo là ne disparaîtra jamais tant qu'il y aura des générations sur cette terre. C'est George là, c'est qui avait dit ça. Et la photo de la colonne de fer est là, sur la musée des arts religieux à Washington DC. Tout le monde va là-bas et regarde cette photo-là. C'était la visitation de l'ange. À l'arrivée de Wayo, l'ange avait parlé avec une voix audible. Une femme qui se lavait la moitié nue, le frère Barnum lui avait dit, habille-toi. La femme là n'avait pas écouté. Elle pensait que le frère Barnum voulait faire de Wayo River sa maison privée. Oh, il ne savait pas qu'elle était devant le Dieu vivant. C'est lui qui avait créé le Wayo River. Amen. Et lorsque la femme avait parlé, la femme a été foudroyée, elle est morte. Amen. Amen. Dieu a parlé. Frère, malgré tout ça, le problème c'est que, il dit, mais à présent, après 2000 ans de théologie et d'enseignement, c'est ça la maladie. Et ceci, c'est pour la race choisie. Mais la Vierge folle n'était rien. Ah, je vais vous lire quelque chose dans le livre de l'Esprit. Le frère Valéry dit ceci. Hein. Faut pas cesser d'exposer. Il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire de la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens. Amen. Amen. C'est révélé à une catégorie spéciale des gens. Il dit ceci. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Amen. Amen. Ce message, il faut avoir la capacité, ou il dit quoi? Il faut avoir la faculté du discernement prophétique pour le saisir. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Amen. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'Esprit pour entendre et pour connaître. Il faut avoir la faculté prophétique pour comprendre ces choses. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils viennent avec de la théologie pour essayer de saisir le message. Je suis en train de clôturer. Je vais entrer dans un autre sujet. Parce que la même nuée, mais c'est pas tellement lié pour introduire. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Par exemple, Sanafi dit, combien d'entre vous reçoivent les banques? Avez-vous entendu parler de M. Kelleretti, ces magazines et tout ça? N'avons-nous pas montré ça un an avant que cela arrive?
La science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Il dit, il y avait là qui le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête. Or, Jésus couronné, voilà. Une bonne femme est une couronne sur la tête de son mari. Jésus était couronné par son épouse. Ceci montre simplement le retour de Jésus avec son épouse. Amen. Parce qu'il est couronné. Pourquoi? Parce que l'Antichrist était déjà couronné. Je voudrais parler de sa triple couronne. En ce moment-là, Jésus aussi était couronné. Il dit, comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. Quand le juge vient, c'est pour exercer un jugement. Voilà. Et ceci égale Daniel 7 et 9. Le trône était assis, était placé. Et le juge était assis. Voilà. Parce qu'il y avait le juge au pluriel. Amen. Amen. Et les saints jugeront la terre. Donc, cette personne de la Juive est aussi le jugement du trône blanc. Amen. Voilà pourquoi nous venons, c'est le jugement. Amen. Je ne suis pas de Dieu. Pourquoi on dit l'intérieur. Amen. Amen. Mais oui. Je ne suis pas de Dieu. Parce qu'après la rédemption, qu'est-ce qui se passe? Après la rédemption, ce n'est plus un sacrificateur. Oui. On n'est pas des sacrificateurs pour racheter, non. Non. Nous, on n'est pas là pour racheter parce que les rachats sont déjà plus faits. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'incarner le juge suprême. Voilà. Qui est descendu sur la montagne de celui que tu mets. Et nous sommes les seuls-là qui sont venus avec lui. Amen. Parce qu'on parle de l'épouse. L'épouse n'est pas simplement une femme dans le sens féminin. L'épouse, c'est la partie soumise. Même Jésus, quand il était sur la terre, il était l'épouse. Quand on parle de l'épouse, vous pensez que l'épouse, ça doit simplement être les sœurs. Sinon, en réalité, ce ne serait que les sœurs. Quand nous disons que nous sommes l'épouse, cela ne veut pas dire que nous sommes devenus des femmes. Non. Nous sommes toujours des hommes, mais l'épouse, parce que nous sommes soumis. Wow. Parce que femme, madame, quand il vient là, il dit l'épouse reconnaîtra son mari, virgule, la parole est révélée. Voilà. Mais là, quand elle se soumet comme ça, et le juge suprême s'incarne, comme nous avons lu dans Éphésiens 1, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et cela vient au temps de la fin. Et quand il s'incarne comme ça, il nous donne maintenant ce qui était dans sa pensée. Et nous disons maintenant le monde par rapport à ce qui était dans la pensée de Dieu. Parce que nous avons maintenant la pensée de Dieu sans mélange avec la théologie. Amen. Voilà pourquoi le premier mystère, c'était le mystère du royaume des cieux. Jésus dit que c'est comme le grain de sénévé. C'est quoi le grain de sénévé? C'est quelque chose qui ne se mélange pas. Oh, quand la nuée descend, ça révèle ce qui était dans la pensée de Dieu, en dehors de la théologie. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit que dans ceci, la dénomination est restée très loin en arrière. Amen. Parce que la descente de la nuée, c'est la pierre de fête, c'est la grande lumière. Là-bas, il n'y a pas de ténèbres. Toutes les ténèbres, c'est dans les âges d'église. C'est dans les âges d'église qu'on voyait la lune, moitié sombre, moitié lumière. C'était un mélange. Mais à la descente de la pierre de fête, tout est lumière. Amen. Il n'y a point de mélange. Voilà pourquoi on dit que c'était le retour du royaume. Amen. Donc, c'est pourquoi le frère Branham, après chapitre 10, il commence par le premier mystère, le mystère du royaume. Et cela n'a pas été donné à tout le monde. Parce que ce jour-là, quand Jésus expliquait le mystère du royaume aux disciples, les disciples se disaient que, ah, mais nous étions là-bas, mais pourquoi tu as expliqué, tu n'as pas expliqué à tout le monde? Il dit non, parce que cela n'était pas pour eux, c'était pour vous. Amen. Et le jour de la descente de la nuée, la science est partie chez frère Branham. Même la science avait reconnu que la seule personne qui peut reconnaître cette nuée, ce n'est que le frère Branham. Alors ils ont dit, allons-y demander le frère Branham. Ils sont partis chez frère Branham dit que je ne les ai rien dit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour vous. Amen. Et ces choses ne concernent pas tout le monde. N'attendez pas que tout le monde puisse croire ceci. Parce que le retour de la nuée, c'est le retour de tout. Pour clôturer, je dirais ceci. Quand Joseph est parti en Israël, parce qu'ici nous voyons que le frère Branham a relié Apocalypse 1 à Genèse 45. Joseph a épousé une femme de nation, Asenath. Et Joseph a eu combien? Deux fils, Manassé et Ephraïm. Et quand ses frères sont arrivés, Joseph
Après avoir pleuré, il amène maintenant ses frères pour leur présenter sa famille. Et Asnath, qui était une nation, l'épouse, était incorporée, n'est-ce pas, dans la famille juive. Et Manassé et Ephraïm, qui étaient moitié juifs, moitié israéliens, ils étaient maintenant parmi les 12 tribus. Quand vous comptez les 12 tribus, vous comptez sur Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm n'étaient pas simplement des juifs, ils étaient aussi des nations. Yes, sir. Comptez aussi Asnath, l'épouse de Joseph, était incorporée dans la famille de Jacob. Oh, Jacob, c'est Israël. C'est là où vous voyez les quatre mystères s'accomplir. Dans Genèse 45, l'épouse des Juifs, le corps de Christ forma à la fois les Juifs et les gentils. C'est-à-dire que Ephraïm, qui est Ephraïm, Manassé, Asnath, qui étaient des gentils, incorporés dans la famille. Même le nom de Joseph n'était pas là, dans les 12 tribus. Mais Ephraïm et Manassé étaient là. Donc le quatrième mystère s'accomplit lorsque Genèse 45 s'accomplit dans le retour de la nuée. Amen. Amen. Voilà la conclusion de ma prédiction. Quel Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous allons chanter.